mature. I feel so extraordinary. Something's gotta hold on. This feeling emerges. A sudden sense of liberty. I used to think that the day would never come. See the light in the shade. Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de The Last of Us Partout en mode Survivor Plus. Donc, l'épisode précédent, nous avons réussi à quitter le centre commercial. On s'est fait une petite virée en bateau vers l'aquarium. Et là, on est près de la porte d'entrée de l'aquarium. Donc, on va s'y diriger et puis on va bien voir ce qui nous attend dedans. Donc, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image. Pensez à mettre la résolution 1080p si ce n'est pas fait automatiquement. Et on ne va pas tarder, mais surtout, pensez à vous abonner en bas à droite de l'écran. Comme je vous l'indique, à côté de la tête d'Eli. Clique sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche bleue. Allez, on ne va pas tarder, on y va de suite. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous visionnez la vidéo. Voilà, donc tout va bien pour le meilleur du monde, j'espère. Allez, go. On va se faire ouvrir. On va se faire découper en rondelles. Mais c'est pas grave, on n'a pas peur, on est des rappeurs. On va se le faire à la one again. Beast to fly. Là-haut, je sais plus s'il y avait un truc. Ok. Abby, où est-ce que t'es? Voilà. Je ne sais plus s'il y avait des items par ici. On va un petit pneu fouillé. Là, il n'y a rien. On va passer par en bas. Ça aura malentendu, hein, pas vrai? Elle court, on dirait qu'elle a deux tenses quoi. Franchement, on marque avec les combats qu'elle a fait dans les épisodes précédents. Vous m'étonnez. Allez, go, il n'y a rien. On n'a pas le temps de niaiser. Là, on peut pas passer, mais on va voir s'il n'y a pas quelque chose. Non, allez, go. Là, il n'y a rien. Oh, le joli requin. Oh, du ruban adhésif. Pour vous scotcher devant la bouche si vous faites trop de bruit. Allez, amis. Bon. Elle caille, hein, ça caille. C'est pas pourtant Jean, ça caille, mais on voit qu'elle a froid. Hein. D'ailleurs, mettez en commentaire si vous avez fait finalement Ghost of Tsushima, si vous avez aimé. Ok. J'aime pas, il fait trop noir à mon goût ici. Il fait trop noir. On n'y voit rien dans le noir. Ah, item, voilà. C'est bien tombé.
Ok, on va passer là. Là, il n'y a rien. Allez, go. On n'a pas peur, hein. On n'a toujours pas peur. Pas peur. Alors, one again, beat to fly. Ah, une paire de ciseaux, ruban adhésif. Une bonne chose, tout ça. Et là, il n'y a rien. Bon. Allez. On peut pas passer là? C'est par où qu'on va? Putain, je sais plus. En fait, faut pas passer par ici, hein. Je pense que c'est un piège à con là. Je suis perdu les amis, je suis perdu. Ah non, c'est bon. C'est bon. J'ai vu une porte. Ah, fermé. Merde, c'est qu'à de le dire, putain. Oh. Je vous dis, ça fait un petit moment que j'ai pas fait le mode normal. Que j'ai fini le mode normal, je veux dire. Donc, y a des endroits, je me rappelle plus trop, quoi. C'est ça qui est bien, d'ailleurs. Oh, what the fuck. On va aller voir la double porte là. Non, ben fallait s'en douter, hein. Alors rentre. Va-t'en. Va chier, Owen. Main en l'air. Où est Abby? C'était toi la fille à Jackson. Dites-moi où elle est. Tu promets de nous épargner. Si tu lui dis, elle va nous descendre. J'ai aucune raison de vous tuer, c'est elle que je veux. C'est des conneries. Amène-toi, putain! Montre-moi où elle est sur la carte. Ensuite à toi. T'as intérêt à ce que ça colle. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Elle est sûrement déjà morte. Ça vaut pas le coup. Stop! On peut parler. Recule, connard!
Montre-moi où elle est. Mange-toi, putain! Allez, on spamme le bouton carré. Oh la pauvre. Mais bon. Dis-moi où est Abby. Où elle est, putain? Ouais, elle était enceinte, Ellie. Mais bon, tu pouvais pas le savoir, hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, les amis. Hein. Par contre, c'est pas malin parce qu'elle a oublié la carte et dessus il y a le théâtre qui est marqué en fait. Sans cette carte, Abby l'aurait jamais retrouvé au théâtre. Qu'est-ce que c'est beau! Petit regard, yeux dans les yeux. Attendez. Voilà, il n'y a rien de toute façon. Donc, je me souviens vraiment plus sur le moment, en fait, ce que je dois faire. Chat, la carte, vous, si vous voulez la voir, il y a le mode normal où il y a tous les collectibles. Il y a de la neige partout. Non, d'ici à ce qu'on arrive, tout aura fondu. Où est-ce que tu vas? J'avais besoin d'air. Qu'est-ce que vous faites debout? Insomnie. Viens jeter un coup d'œil. L'idée, c'est de rentrer en passant par Ellensburg. Si on atteint Fall City demain, on avance bien. Mériter ce qui leur est arrivé. Mais c'est elle clair. Est encore en vie. Ouais. Tu peux l'accepter? Ouais, faut bien. Je me serais bien passé de traverser l'Idaho encore une fois. Ce qui devrait te préoccuper, c'est la réaction de Maria quand elle te verra rentrer. On a connu pire. Mais au cas où, je suis passé par un quartier chic quand j'étais en ville. Et j'ai aperçu un collier. Il est bien brillant, je crois que c'est de l'or. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Dis-toi que oui. Vas-y, fais voir.
Je sais reconnaître de l'or. Hein. Si c'est bien de l'or, on peut faire cadeau commun. Débrouillez-vous tout seul pour l'amadouer. Ça va, toi ? Ouais. Ellie ? Ça va. Merci de pas m'avoir laissé tomber. J'abandonne jamais mes amis. Toujours le même refrain. D'accord, alors disons... que mes amis savent pas se démerder. C'est mieux ça. Merde! Rien. Lève-toi! Les mains en l'air ou je bute l'autre! Fais pas ça, Ellie! Fous le camp! Lève-toi, j'ai dit! Mais écoute pas, je te dis! Tu la fermes! D'accord. Arrête! Stop! Jette ton arme! Ah, si je me souviens, ça va être chaud. Jette ton arme! Merde! Je sais pourquoi t'as tué Joel. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargné. Et voilà le résultat. Je vous habille jeune. Papa ! Ça m'enchante pas, je la supporte pas. Où il est ? Grosse connasse. Papa ! Allez, où es-tu ? Papa ! Ah. Oh, l'écureuil, vous avez vu ? T'es où ? Regarde s'il n'y a rien à récup. Toujours pareil. Là, c'est fermé. Bon. En fait, il est passé par là, mais il a fermé derrière lui, quoi. On va aller voir le kiosque à journaux. Il n'y a rien. Oh, le rat. C'est pas vrai. Yes. Visez-moi ça. 1978. Allez. Ok. Allez, c'est bien. La classe, Abby. T'as bien sauté. J'ai pas mouru et on passe par là.
Là, c'est moins la classe, Abby. Hein. Oh. Abby. Tu as de la boue un peu partout, chérie. On a aussi. Où ça? Juste là. Oh. Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête. C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Il n'y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets. D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. Comment tu savais que j'étais ici? Owen a vendu la mèche, c'est ça? Il a fait ce qu'il fallait faire. Comment t'as fait pour qu'il parle? Je lui ai... Hey, regarde un peu ça. Oh, waouh, 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Allez, à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Je te crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez bien. Ce qui est triste quand on y pense, en fait, c'est que les pièces qu'Abby ramasse, détends-toi. Elle les ramasse, c'était pour son père, quoi. Dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. Oh mon Dieu. Depuis quand t'es au courant? Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre plus gentil avec moi désormais. Et donc tu profites de la situation. Des traces récentes. Ouais. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage par hasard? Je ferais jamais ça. Et ça marche? Ben, j'ai retrouvé ta trace. Oui, ouais. Mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh. Ça t'arrive donc d'écouter? T'as des éclairs de génie, parfois. On va voir si on peut trouver autre chose. Papa, j'ai trouvé quelque chose. Ah, oh, c'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Ah. Et regarde, deux paires de traces. Papa? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non, elle souffre. Abby. Allez. Allez, Abby. Il y avait des infectés dans le coin. Elle était beaucoup moins musclée, là. Elle passe bien entre les... entre la grille et le mur. Hein. Évidemment. Alors, je me fais pas de soucis. Mais merde. Abby. Mais laisse-moi passer, dis donc. Oh, la pauvre. Il faut qu'on la libère. Très bien, du calme. T'en fais pas. Pas te faire de mal. Tout va bien. Séquence. Émotion. Ok. Abby, viens ici. Tiens. Oh, la pauvre. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen. Mais... S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Ouais. Tiens là. Allez. Attention. Ok, tu la tiens bien. Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby. Merde. Doucement. La pauvre, elle s'est pris les plus barbelés, quoi.
cherche. Avec les coupures qu'elle a, c'est pas sûr qu'elle s'en sorte. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Allez! Oh, comme c'est beau! Doc, la fille est arrivée. Quelle fille? Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais... faut que vous alliez voir. Papa. On y va. C'est relié au cerveau, on n'a pas d'autre choix. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non? Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis ou t'as déjà pris ta décision? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby? Eh oui. Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités, tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille. Ouais, c'était Abby à la place. Est-ce que tu risquerais de la tuer pour sauver tous les autres? Moins sûr, hein. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène. Fais-le. Merci. Je vais prévenir Joël. Pourquoi? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. C'est l'avis à Joël qu'il fallait demander. Hein. Et pas prendre une décision comme ça toi-même. J'ai pris la bonne décision. Tu me perds. S'il n'y a rien à prendre, mais je crois que là non. Putain, il est encore dans les parages. C'est... Abby, non, Abby, regarde. Papa, papa, non, non, la pauvre, hein, quand même. Tu m'étonnes, public, elle veuille se venger après. Lève-toi. C'est normal. Joël, lève-toi, putain. Pitié, fais pas ça. Pitié, non. Joël, allez, lève-toi. Attends, non. Non. Va au diable.
Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Manny. Je fais le ménage. Non, 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 on est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue... Ah, donc elle voulait tous les tuer, l'autre qui était enceinte, quoi. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde, ta gueule. J'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge! Recule! Tu te calmes! Ou quoi? Recule, putain! Calmez-vous! Jordan! Tu vas me buter. Stop! C'est fini. Abby? Oh. Du calme. Donc on débute cet autre jour 1 avec Abby. Ouais, ça va. Et toi? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi? T'es sérieux là? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi, là, tout de suite? Ouais. Vamonos. Ok. Mais je pense que Seattle jour 1 avec Abby se fera plutôt au prochain épisode. Eh oui les amis. Au fait, il est l'heure de nous laisser de se laisser. De rien. Bon, il me coupe la chic. La fille qui cuisine? Non, celle de la météo. Elle a quitté sa montagne. Oh, la télé alors. Sympa. Ouais, sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Moi je elle peux parler. Elle me parler d'une non. tempête et je sais plus quoi. Et ça valait le coup? Oh, carrément. Shade up, please. Heureux maintenant. Tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. J'arrête pas de me dire la même chose. Et pourtant, ça m'empêche pas de chercher. Bon, donc les amis, on va s'arrêter là. Voilà, je préfère attaquer le jour 1 Seattle avec Abby sur un épisode tout neuf. Hein, c'est normal. Donc, en tout cas, merci à tous pour avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. C'était bien sympa. Pensez à vous abonner. Clic sur la petite cloche bleue et sur le bouton s'abonner. J'ai dit l'inverse de d'habitude, vous avez vu? Eh ouais, c'est fait de style. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Et on se dit à bientôt. Merci encore. Allez, bye bye. Et public, t'es encore là? Je t'entends. Je t'entends, même quand je te vois pas, je te vois. Donc public, je sais que t'es bien avec moi, mais il faut rentrer à la maison là. Allez, j'ai tout coupé déjà, le micro et tout. Ah non, pas le micro puisque tu m'entends, merde. Bon allez, à plus les amis, bye bye, portez-vous bien.